tic-tic-tic-tic-tic-tac, wake up every day. Bienvenue à vous, Idir Derdiche, clavier de dubbing, en tournée en France actuellement. Je vais juste vous présenter les claviers Korg que j'utilise pour la tournée. Donc on va commencer avec le Kronos. Donc le Kronos, c'est mon master keyboard, c'est-à-dire c'est ici que tout se passe. J'utilise la plupart de mes sons, ils sortent d'ici. C'est pour ça qu'il est au milieu de mon setup, c'est le clavier où je joue le plus, quoi. Niveau des sons que j'utilise, on va avoir du piano, tout simplement pour le skank reggae. Là, j'ai utilisé un son Kronos German Grand. C'est un des nouveaux pianos qui sont sortis donc chez Korg avec le Kronos. Une qualité par rapport aux anciens qui a vraiment beaucoup évolué. Et après, on va avoir des sons de Fender Road. Un électrique piano basique que j'ai un peu modifié au niveau delay pour avoir plus d'espace dans le... voilà. Ce sera plus pour les pads, tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un peu plus de sons, des sons électro. Sur le dernier album, on a utilisé pas mal de sons plus axés sur les sons du moment. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, des sons d'orgue. On a accès donc maintenant à l'émulation du CX3. Extraordinaire, avec tous les réglages qu'on peut avoir sur un vrai orgue. Les tirettes, les pédales, la pédale de volume, les craquements de Leslie, tout ce qui va avec. Donc on a vraiment le ressenti des tirettes qui évoluent quand on entend toutes les harmonies différentes. Niveau du volume aussi, on peut tirer très bas. Se retrouver. Vraiment, c'est ce que j'aime, c'est pouvoir ressentir les effets d'un vrai orgue sur une machine comme ça aussi polyvalente. Les violons. On a toujours resté fidèle au violon Korg depuis mes débuts. Je trouve qu'il y a un grain différent, on se croit vraiment sur un vrai ensemble de violons, quoi. Donc, Après, je me suis fait un petit preset à moi pour ce qu'on appelle le bubble dans le reggae, c'est la pompe, c'est ce qui va répondre au contretemps, au piano. C'est juste un ouf. J'ai pris un son de sinus que j'ai trafiqué, que j'ai mis un son de Leslie dessus pour en fait simuler comme si c'était un orgue qui le faisait. Mais j'arriverai pas à le reproduire avec un orgue, donc j'ai pris un sinus que j'ai trafiqué un petit peu. Donc c'est juste. Voilà, ça c'est pour le reggae. En reggae, c'est pompe, skank, qui sont maîtres dans le rythme. Après la batterie, la basse batterie, tout ça. On va peut-être passer sur le King Korg, qui est arrivé dans mon setup dernièrement. Donc là aussi, très belle machine de chez Korg. De toute façon, on est sur une base de synthé à modélisation analogique, donc du coup, on est maître à bord, on peut faire ce qu'on veut dessus. On a nos oscillateurs, nos filtres. Donc sur ce clavier, j'utilise surtout des sons de basse pour doubler la basse de Moritz. Donc on va avoir ce type de son pour décrocher avec la vraie basse, pour avoir juste le bzzzt et pour pas que les fréquences se mélangent, bien sûr. Donc il y a ce son. Un petit son un peu dubstep du moment qui est que j'utilise sur la fin du concert, qui est donc calé au tempo du morceau pour avoir l'effet wobble et quand on l'accélère. Euh,
Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc j'utilise aussi un autre son de basse en type Danty, en saut. C'est un son qui est d'origine sur le King Korg. Je vais vous donner le nom, Push Me Bass. C'est le son que j'utilise sur Day One pour doubler la basse. Voilà, après je vais utiliser des effets aussi de bruit blanc pour les intros, pour les trucs comme ça. Qu'on peut filtrer en direct. Pour les transitions, pour les montées, pour voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? J'utilise un peu, j'utilise un orgue aussi pour faire la pompe sur King Korg. J'utilise pas beaucoup pour l'orgue, mais je trouvais celui-là pour faire la pompe aussi assez correct. Donc aussi j'utilise le Tron String. Ça c'est sur le morceau Better On. J'aime bien, c'est un grain très old school. Ce qu'il y a de bien avec le King Korg, c'est qu'on peut en live utiliser les filtres, changer d'oscillateur, changer d'effet, modifier les effets en direct. Tout est là, tout est prêt à être utilisé. Il y a un tas de potentiomètres, on est maître à bord. On est totalement sur une machine analogique, donc tout est prêt à être modifié en temps réel. Et c'est bien agréable, quoi. Bon ben voilà, ben je vous ai à peu près montré tout mon setup. Donc je vous dis à bientôt sur les routes avec The Bink, en tournée en France jusqu'à décembre. Donc link up, à bientôt.